Et trois pas de côté, il était une commère qui allait au marché. Elle portait sur sa tête trois pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-rouli, les pommes faisaient rouli-roula. Stop! Cet endroit me paraît propice pour passer une journée que je pressens. Exquise. Rien ne vaut un grand bol d'air. Ils sont là, ils nous regardent, ils nous regardent. Le yoke, un peu saut, toujours à faire l'idiot. Mon amable, pour ne pas dire ma foi, ma forte agréable personne, Lilou la pestouille. La plus belle des pestouilles, c'est moi. Oh non, nous ne pouvions vous rester cachés plus longtemps. Fallait vous apporter quelques bulles de bonheur. Et vous donner quelques bonnes idées pour agrémenter votre société. Réflexion. Et j'en appelle au brigand. La taupe. Autre attribut non négligeable de notre ami la taupe. Nos gardes mangés regorgent en saison froide de verre luisant. Attends! J'arrive! Festoyer? Oui. Festoyer? Oui. Sans mettre pas le oui. Côté? Et la cuisse en plus, hein? Case. Lequel de nous deux va au fourneau? Migue, 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 voilà, madame est au point du feu. Nous allons nous munir d'une casserole carrée, car c'est ainsi en pays corrigant. On cuisine dans une casserole carrée. Et là, vous touillez. Et ne vous inquiétez pas, rien ne tournera. Elle est carrée. Aurait une insolence suprême de nous dire, là, ici, maintenant, tout de suite, ce en quoi toi tu excelles. L'art de jouer. Je m'en vais de ce pas quitter toute réserve afin de mieux vous l'exprimer. Merci, maître du monde. Il pourrait bien vous surprendre.